Toujours en direct du Before Melting Crew 7 et je suis avec un autre artiste, Alan Zut. Bonjour Alan, ça va ? Bonjour, ça va et toi ? Alors, qu'est-ce que tu vas nous proposer ? Alors, pour Melting Crew, en fait, je vais innover un peu, enfin, d'habitude. Bah oui, parce qu'on te connaît dans le chant. Tout ce qui est love, etc., etc. Là, je vais essayer de revenir à la source, à la racine. Et c'est quoi la source ? La danse. Tout ce qui est un peu ambiance, je vais essayer de... Donc tu vas nous faire de la danse et tu vas chanter en même temps? Exactement. C'est pas un peu difficile? Non. Tu sauras gérer? Ouais, c'est le boulot. Parce que d'année en année, au Melting Crew, on monte, hein. Est-ce que tu vas suivre le move? Non, je vais même surclasser le move. Ah ouais, d'accord, surclasser le move. Et qu'est-ce que... Alors ça te fait quoi de revenir en Corse au Melting Crew? Ça te fait quoi? Ça fait grave plaisir. Déjà, j'ai été au Melting Crew avec mon groupe à l'époque, les Yankees. Ça s'était bien passé, ça a été. On avait même pris un award, quand je pense. Moi aussi, je m'en souviens, on avait pris un award. Ça s'oublie pas, hein, les awards, non, quand même. Ça s'oublie pas. Hein. Ça nous a fait grave plaisir. Et là, je suis encore solo, donc je vais essayer de. Enfin, je vais pas essayer, je vais tout faire pour tuer le Melting Crew. Ok, ok. Tu vas tout donner pour le Melting Crew 7, donc le 22 avril. Je sais pas si on t'a dit encore le thème, mais le thème, c'est Mirror. En français, miroir. Et on a une petite statuette, tu vois, là, à côté de nous qui te regarde là depuis tout à l'heure. C'est une statuette faite par Kirikou. Et cette statuette sera ton miroir. Je veux que tu puisses la regarder comme tu te regardes le matin, mais pas d'une manière superficielle. Je veux que tu te regardes vraiment en profondeur et que tu puisses analyser toute ta carrière artistique. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à cela? Déjà, j'ai eu beaucoup de... J'ai eu beaucoup de bas, beaucoup de bas. Et là, progressivement, ça commence à monter et puis on verra ce que ça va donner. Voilà, c'est Dieu qui donne, comme on dit, et puis on verra. Donc ma carrière, ça, elle monte petit à petit et j'espère que je vais arriver au sommet. Je l'espère aussi pour toi. Est-ce qu'il y a des choses à rectifier? Rectifier? Oui, parce que tu vois, quand on se regarde dans le miroir, on rectifie toujours. Il y a toujours des choses à rectifier. Je suis jeune. Je suis ambitieux, donc on fait toujours des erreurs. Après, on ne sait pas ce que ça va donner, donc c'est comme ça. Alors maintenant, regarde le miroir et dis une phrase, dis un mot. Qu'est-ce que tu pourrais dire là, tout de suite, en te regardant dans le miroir? L'avenir, c'est l'Afrique. C'est important. C'est ça, en fait. L'avenir, c'est l'Afrique. Et l'Africain, on subit des choses dans la vie, on subit des épreuves et tout. Et je pense que avec la force et le courage, on va pouvoir transgresser tout ça. Et puis voilà, l'avenir, c'est l'Afrique. Donc il faut nous soutenir, il faut se soutenir entre nous. Et puis voilà. Sur ces belles paroles, alors tu vas nous faire une petite démo. Ouais. Comment vous expliquer ça? Y'a un bail de son qui se passe dans ma tête. Ma petite copine commence à mettre des distances. Je ne vois plus là-bas que je lui ai offert. Tous ces allers-retours en cachette. Elle m'ignore quand j'appelle princesse. J'ai pourtant dit désolé pour toutes mes conquêtes. Fini tous les secrets. J'ai retenu la leçon. Ton absence me hante, mais je me fais violence. J'ai beau tout donner. Mais tu veux pas me pardonner. Tu vas me faire et tu le sais. Épargne-moi de tes mensonges, je ne t'écoute pas. Tu le sais. Je te regarde dans les yeux, mais je te crois pas. Mais je suis bloqué. Mais je suis bloqué. Je vois ton visage dans ma tête. Ta voix résonne dans mes rêves. Bingo.